Bonjour tout le monde. Bonjour Farid qui me donne souvent un petit commentaire mes vidéos, ça fait plaisir. Bonjour la famille. Donc là, aujourd'hui, vélo au taf. Je vais faire une livraison pour une cliente. D'habitude, Ablin, il y a quelqu'un de gentil qui met bien les clignotants. D'habitude, c'est le client qui vient à moi. Là, la pauvre cliente, elle a une opération de l'épaule. Du coup, elle est un peu bloquée. Donc, elle m'a commandé un tableau. Alors, je lui ai dit, vous savez, j'aime le vélo. Ça va me faire une petite sortie. Donnez-moi votre adresse. Et je vous l'apporte. Donc là, j'ai un peu moins de 30 km à parcourir. J'en ai déjà fait 5. Voilà, il fait pas très très beau, mais il fait pas froid du tout. Actuellement, un peu plus de 9 degrés. Du coup, j'ai pas mis le maillot thermo. J'ai juste mis la veste, la surveste, les gants comme d'habitude. Le cuissard long quand même. Voilà quoi. Donc tout va bien. Je vais pas prendre la route habituelle. Alors, la route que j'emprunte en voiture pour aller à Billon. Là je vais passer par Isserto, Montmorin, donc deux petits bleds. Et ensuite Billon, ma livraison, et après je sais pas encore par quel chemin je vais prendre pour rentrer, parce que j'ai quand même le magasin à tenir. Normalement je suis ouvert entre midi et deux, mais il n'y a jamais personne entre midi et deux, rarement. Et ce qui m'embête, c'est une petite livraison qui doit arriver. Alors en général je suis livré vers ça dépend de la personne qui me livre, parce que j'ai remarqué souvent la personne qui vient plutôt que l'autre. Donc j'espère que ça sera la jeune qui me livre un peu plus tard, qui me connaît mieux, qui est plus souriante d'ailleurs. Donc elle vient vers 4h30. Si c'est bon. Et si c'est l'autre fille, elle fait le taf. Hein. Mais bon, c'est bonjour, au revoir. Quoi, voilà. Bon, donc j'espère arriver chez moi aux alentours de 15h. Donc suivant l'heure où j'arrive. Je vais me décider du parcours que je vais emprunter pour le retour. Coucou les vaches. La belle vie. Région d'Auvergne. Beau petit paysage. Belle région. Là, je continue à monter. Je suis actuellement à 667 mètres. Ah bah, je me rends compte d'un truc. Déjà, je viens de perdre mon... dans la descente. Alors ça, c'est la deuxième fois que ça m'arrive.
Je suis parti sans mon casque. Ben, heureusement que le casque n'est pas obligatoire. Bon, alors dans la descente, du coup, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, hein. Je sens plus le vent que d'habitude. Enfin, ça faisait pas comme d'habitude. Et puis, je me dis, mince, le casque. Bon, bah, tant pis, hein. La deuxième fois que ça m'arrive. Et la première fois, ça m'est arrivé avec le vélo de voyage, j'allais pas bien loin. Je voulais juste essayer un petit truc. Par exemple, j'ai fait une petite balade tranquille, quoi. Ah, c'est vrai que ça m'embête, hein. J'aime pas rouler sans casque. Maintenant, ça fait 14 km, j'ai mis 14 km pour me rendre compte. Une fois, quand j'avais 15-16 ans, ça m'est arrivé en mobylette. Je pars de chez moi, je fais 2-3 km, puis j'ai oublié le casque. Ah, j'avais fait fort. Hein. Mais là, on se rend compte rapidement, on a le vent bien plus fort. Du coup, là, j'ai la cagoule. Ça, je m'en suis peut-être pas trop rendu compte. En été, je pense que je m'en serais aperçu plus vite. Et là, c'est... Tiens, dans la descente, j'ai senti que il y avait mon bonnet par-dessus la cagoule qui bougeait. Et ben voilà, j'ai compris pourquoi. Ah ben, c'est malin, ça. Les choses qui arrivent, j'ai vraiment une tête en l'air, moi, je vous raconte pas. Voilà, je remonte. Là, j'ai fait une petite descente. J'étais monté à 670 mètres. Je vais aller encore un peu plus haut. Là, je vous laisse admirer. Il n'y a pas de voiture, je vais aller me mettre à gauche. Allez, non, d'ici, je peux peut-être voir le village où j'habite. Je pense que je le vois d'ailleurs, j'ai un doute. Oh, comme il est beau. Comme c'est beau, ça. Regardez comme ils sont beaux. Bien sages. Bon, allez, me voilà, ici, retour. Maintenant, je me dirige vers Montmorin. Oh, problème technique là, je suis déraillé. Je sais pas ce que j'ai là, j'ai déraillé plusieurs fois là. Mais doucement parce que la route est bien trempée, il pleut pas mais c'est extrêmement humide. Voilà, donc là le château de Montmorin, on va voir de loin, je pense qu'on va s'approcher plus près. Avec la GoPro, avec le grand angle, ça doit pas être terrible. J'attends, on le verra de loin. Je pourrais m'approcher une autre fois, si vous voulez.
Bon, on va bientôt arriver. Encore 2 km 2. Voilà, c'est Billon. Vous êtes arrivé. Votre destination est sur votre droite. Ah, c'est chemin, je sais pas, c'est pareil. Non, normalement, la dame m'a dit chemin, mais ben ouais, j'ai pas trouvé chemin, j'ai trouvé un pass. Bon, on a vu que j'avais pas du tout d'élan et que ça monte. Je préfère faire les derniers mètres à pied. Ah, coucou le chat. Gentil, par contre. Je connais pas le nom de la dame. Elle est là. Bonjour. Bonjour, excusez-moi monsieur. Le numéro 6, c'est chez... Il y a un chemin également ou il n'y a qu'un pass ? Il y a une impasse. Il n'y a pas la chemin ? Parce que vous voyez, j'ai mis chemin. C'est en bas, à droite, et après tout de suite à droite. C'est l'autre côté du château. Oh, ok, c'est pas loin. C'est... Ok, droite, quoi. Droite. Ok, merci. Il y a le château qui fait toute ta propriété, c'est juste après. Ok, merci, monsieur. Et ben, heureusement que le monsieur était là. Oh, je suis là-haut. Alors, droite. Hein. Ah, chemin, voilà. C'est là. Là, il n'y a aucun doute. Le numéro. Et voilà, nous l'arrivée. Voilà, mission accomplie. J'ai fait ma livraison. Effectivement, quand j'ai vu le bras de la dame, il était impossible pour elle de venir à ma boutique. Donc maintenant, je retourne au magasin. Il est 2h moins le quart. Donc je sais par où je vais passer. Je vais prendre la grosse route. Hein. J'aime pas ça, mais à cette heure-ci, il ne devrait pas avoir trop de circulation. Mais surtout que quand j'attends une livraison, je voudrais pas arriver trop tard à la boutique. Donc là, il est moins le quart. J'ai mis 1h20 pour venir. À peu près, j'ai discuté un peu avec la dame. Et maintenant, je reprends la route. Hein. Un petit peu plus léger. Pas beaucoup hein. À mon avis le tableau il faisait même pas environ 300-400 grammes, pas que vous le montrer si vous voulez le voir, vous mettez dans Instagram la pépite du 63. C'est un tableau avec la Sardaigne sur un fond du drapeau italien. Voilà. Assez. Bon, je sais que je vais avoir un peu de montée quand même. Faut pas changer. Et voilà la grande route. Bon, première difficulté. Je sais que ça va monter longtemps. Après cette montée, j'aurai une descente, à nouveau une montée, et ensuite ce sera plus tranquille. Fini la montée, 1500 mètres, même plus,
je racontais 1500 avec le double voie. Et je l'avais attaqué bien avant. Un peu plus de 10 km, 2 km, je dirais. Voilà une petite descente. Et à nouveau une montée qu'on peut voir. Ils ont la belle vie là. Ils sont pas trop dérangés à part par un vélo. Dans les prochains jours, je vais faire une grande balade. Je vais aller rechercher la coccinelle là, qui est entre Épinal et Belfort. Donc je vais y aller avec le vélo de voyage. Je devrais partir samedi après-midi ou samedi l'autre d'après. Je vais voir souvent la météo et si elle est finie. Donc genre environ. Je vais pas faire le chemin le plus court. J'ai programmé le chemin déjà sur Komoot. J'aurai 470 km environ à parcourir. Que je vais faire en 4 jours. Je veux arriver là-bas le mercredi aux alentours de 14h. Car j'aurai 8 heures de voiture pour rentrer chez moi. Et donc je vais faire en bivouac. Donc vendredi après-midi, je vais préparer mon vélo. Ma femme a acheté la nourriture pour mon voyage.
des barres de céréales, des compotes. Tout ira bien. Bon, il est 3h moins le quart. Je vais reprendre la route que j'ai pris à l'aller là parce que comme j'attends une livraison. Il y a un vélo au bout, j'essaie de le rattraper. C'est exceptionnel quand tu doubles un vélo, plutôt qu'une double. Déjà des vélos, on passe pas beaucoup. Là, en 50 km bientôt, c'est le premier que je vois. Et il est un peu loin quand même. À mon avis, s'il vient de se mettre en selle, il va avoir du mal à rattraper. Je pense pas le rattraper. Il va avoir 200 mètres entre nous. Qui va plus vite que moi. Ah, c'est impressionnant la speed d'un camion.